Julie Schneider, je travaille au département des Alpes de Haute-Provence, à l'unité itinérance et sports de nature. Et je suis en charge des sports de nature. Et en fait, c'est mon unité, mais les techniciens randonnées de mon unité, qui ont travaillé à l'aménagement, au balisage, aux travaux et à la réalisation de l'itinéraire de la route dans le département. Alors la route est un projet à l'origine de la Maison de la Transhumance sur lequel il travaille depuis de longues années. C'est une association sur le secteur d'Arles. Et l'itinéraire de la route est en fait l'itinéraire historique qui a été recherché sur les drailles, les carrailles, qui sont les traces empruntées par les moutons, par les troupeaux qui transhumaient entre la plaine de la Croix et jusqu'en Italie, où beaucoup de bergers qui venaient du Piémont d'origine ramenaient les troupeaux et les montaient en alpage pour qu'ils puissent nourrir et se nourrir d'herbes un peu moins sèches que dans les plaines du sud de la France. Donc l'itinéraire historique est transfrontalier et dans le cadre du projet du programme européen Pitem Mito, nous avons voulu le faire revivre et le faire partager à tous, au plus grand nombre pour les randonneurs. Alors l'itinéraire fait 540 km de la plaine de la Croix jusqu'en province de Cuneo, donc d'Arles jusqu'à Borgo San Dalmazzo. Et dans le département, très exactement, nous avons 250 km d'itinéraire aménagé avec une dizaine de pupitres d'interprétation sur les aspects historiques de la route. Une portion qui a été complètement refaite parce qu'il y avait un besoin de dévier un sentier pour justement ne pas gêner les bergers qui travaillent l'été à cet endroit-là. Et puis, donc des panneaux d'information dans les différentes villes et tous les balisages, la signalétique directionnelle tout le long de ces itinéraires. Les éléments innovants dans le cadre de l'itinéraire de la route, c'est qu'il est pensé comme un itinéraire expérientiel. Donc l'association La Maison de la Transhumance, quand elle a pensé l'itinéraire, elle a voulu que les gens qui veulent vivre ce voyage, parce que c'est un voyage aussi, puissent le vivre à la fois en allant rencontrer des troupeaux, des bergers, bien sûr découvrir les magnifiques paysages qu'ont empruntés les troupeaux, mais aussi puissent avoir la filière économique qui va avec les moutons par le biais de la laine. Donc il y a eu des réalisations dans le cadre des vêtements, en laine de mérinos d'Arles, qui est transpirant, qui est parfait et que justement qui est utilisé par les bergers, plébiscité par les bergers. Et puis également, tout au long des villes traversées, dans les restaurants, comme on est sur la partie agricole, agriculture, pastorale, il y a des assiettes de la route qui sont proposées dans les restaurants pour pouvoir en plus consommer des produits issus en lien avec l'agriculture et les produits locaux. D'origine, l'itinéraire de la route est transfrontalier. Il traverse trois départements, donc il y a des éléments partenariaux qui sont super intéressants. Il traverse trois départements en France et il va jusque dans la province de Cuneo. L'intérêt, c'est que par le biais de ce travail-là, on a pu avoir des cartes, y compris qui fassent la partie française ou la partie Italie, parce qu'en France, on travaille beaucoup sur les cartes de l'IGN, qui n'étaient pas toujours disponibles en Italie. Donc l'intérêt est aussi d'avoir ce déploiement de cette cartographie. Et au-delà de l'aspect partenarial, l'aspect expérientiel et rencontre avec un univers et un métier
et culturel, en fait, est intéressant à dupliquer pour d'autres itinéraires culturels, je pense. Dès l'origine de la route, ou même des transhumances, quand ils étaient réalisés, la problématique qu'on rencontre toujours dans les sentiers de randonnée, à savoir de la maîtrise du foncier, c'est-à-dire qu'un randonneur ne peut pas forcément passer et on ne peut pas promouvoir un itinéraire de randonnée qui passerait sur des terrains privés, était déjà rencontré par les troupeaux qui transhumaient dès l'origine. Et dans le cadre de la route, comme l'enjeu était de valoriser justement la profession de berger, le pastoralisme, il fallait vraiment prendre garde à ne pas à gérer et à pouvoir mettre en adéquation en fait un usage de loisirs de la randonnée et du voyage et l'usage professionnel et économique et pastoral qui était fait des pâturages. Donc les tracés ont dû être vraiment très travaillés pour pouvoir à la fois permettre une découverte paysagère et puis ne pas gêner le travail des troupeaux. Parce que vous savez qu'il y a les troupeaux qui sont gardés notamment par des chiens de berger et qui ont des patous qui ont un travail de mise en garde, on va dire, des randonneurs qui croiseraient les troupeaux. Donc il fallait anticiper tout ce travail-là et c'était un petit peu voilà, le petit nœud de la difficulté dans cet itinéraire, vu que c'était l'enjeu principal, qu'il y ait à la fois les bergers qui soient satisfaits de pouvoir rencontrer et qui puissent travailler, et aussi que la promesse faite aux visiteurs et aux randonneurs soit remplie, à savoir qu'il y ait de la rencontre, mais sans gêne. Les sentiers dans le département des Alpes de Haute-Provence sont de manière générale répartis entre le petit entretien et le balisage qui est géré par la Fédération française de randonnée pédestre, parce que l'itinéraire de la route a été labellisé et homologué GR69, donc par la Fédération française. Et donc, c'est la Fédération française de randonnée pédestre qui est en charge du balisage, donc les marques rouges et blanches, et puis du petit entretien et de la permanence des sentiers. Ensuite, le département, de son côté, lui, travaille à la mise en place de la signalétique tout au long de l'itinéraire. Comme l'itinéraire de la route a été homologué par la Fédération française de randonnée pédestre et labellisé GR69, qui est un travail vraiment important de reconnaissance dans les itinéraires, il y a un engagement de la Fédération française pour garantir le balisage, donc rouge et blanc des GR, et puis le petit entretien, la taille, le débroussaillage des passages du sentier. Donc ça, c'est le partenariat associatif. Et en contrepartie, le public qui promeut cet itinéraire et qui l'a développé, donc le département, dans le cadre de son travail sur les sentiers et de sa gestion du PDIPR, du plan départemental de promenade et de randonnée, garantit la signalétique et remplace la signalétique et les aménagements qui ont été réalisés dans le cadre de ce sentier et elle garantit leur pérennité. En termes d'image, l'itinéraire de la route, c'est avant tout de faire le pari de l'écotourisme, du slow tourisme, du développement durable, de la découverte un peu expérientielle, un peu différente, de pratiquer différemment les sports de nature. Et puis en termes d'aspect économique, l'enjeu est aussi de valoriser la filière ovine et de la filière d'élevage élevage des brebis et ovins. Et donc il y a à la fois la réalisation de la transformation de la laine des mérinos d'Arles en habits, en vêtements d'usage sportif, et également le lien avec les restaurateurs et les sites touristiques, on va dire, d'accueil qui peuvent se situer et qui proposent une assiette spécifique sur les produits locaux qui s'appelle l'assiette de la route. Les accompagnateurs en montagne et puis les guides également de VTT ou autres, je pense, proposeront l'itinéraire de la route ou des tronçons, où il y a également des randonnées qui ont été faites à proximité de la route sur des thèmes en lien avec le pastoralisme. Donc on n'est pas sur une grande itinérance de plusieurs jours, qui n'est pas forcément la demande, mais par contre, les accompagnateurs et les bureaux des guides pourront proposer aussi des itinéraires très thématiques en lien avec ce sujet. Et puis, dans l'avenir, il y a un projet sur un autre programme européen, intervalléen, qui doit travailler également avec du transport de bagages,
des opérateurs sur le transport de bagages pour permettre de faciliter, pour pouvoir faciliter aux personnes qui souhaiteraient faire cette itinérance et leur permettre d'emmener leurs bagages du point A au point B en fonction du choix de leur itinéraire. Comme toute infrastructure, on est surtout sur de l'entretien parce qu'en fonction des aléas climatiques, on est sur des zones de montagne, donc il peut y avoir des évolutions, des éboulements, des arbres qui tombent. Donc il y a une vigilance au maintien de la pérennité du sentier, qui est de la responsabilité du département. Et puis voilà, donc c'est principalement ça. Par contre, en termes d'animation, la Maison de la Transhumance a prévu de nombreuses autres opérations pour valoriser et vraiment animer pour que cet itinéraire devienne incontournable et se fasse une place dans les itinéraires culturels européens.